Amsterdam e facendo mazzadam sono venuto di Francia auditato in Giannadu e per te e capite corro a me a roba a te e zona 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 carmagnola sono di consigli e vorrei guapa e a l'ordre du jour. Pour une justice plus expéditive, on a créé le tribunal d'abréviation. Et l'on envoie en Vendée la machine à guillotin, qui doit faire respecter la loi nouvelle. Article 1er. Ceux qui seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes contre-révolutionnaires sont hors la loi. Article 2. S'ils sont pris, les armes à la main, ils seront dans les 24 heures mis à mort. Et encore la... Voilà le chancre qui dévore le cœur de la République. C'est là qu'il faut frapper. Détruisez la Vendée et la patrie sera sauvée. Détruisez la Vendée et Valenciennes n'est plus à l'Autrichien. Détruisez la Vendée et l'Anglais laissera Dunkerque en paix. Détruisez la Vendée et l'Espagne se verra conquise. Détruisez la Vendée et Lyon ne résistera plus. Il faut exterminer cette race rebelle. Brûler leurs forêts, couper leurs récoltes, enlever leurs troupeaux. Dans ces conditions, que faire des prisonniers? Pourquoi ne pas les fusiller comme le font toujours les Bleus? Avant de passer, nous avons mis en liberté 5000 prisonniers pour qui M. de Bonchamp avait demandé grâce. Lâche ennemi de la nation. Honte à ce qui se dit ici, épargner plus de 4000 des nôtres. Le fait est vrai, car je le tiens de la bouche même de plusieurs d'entre eux. Quelques-uns se laissaient toucher par ce trait d'incroyable hypocrisie. Je les ai pérorés, et ils ont bientôt compris qu'ils ne devaient aucune reconnaissance aux brigands. Mais comme la nation n'est pas encore à la hauteur de nos sentiments patriotiques, vous agirez sagement en ne soufflant pas mot sur une pareille indignité. Des hommes libres acceptant la vie de la main des esclaves. Ce n'est pas révolutionnaire. Il faut donc ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action. N'en parlez pas même à la Convention. Les brigands n'ont pas le temps d'écrire ou de faire des journaux. Cela s'oubliera comme tant d'autres choses. Non, cela ne sera pas oublié. Le fils républicain d'un de ses prisonniers graciés, le sculpteur David d'Angers, immortalisera le pardon du général vendéen. Même. Et 10 000 parmi les fuyards comprend le plus vif plaisir à chasser, selon le rapport du représentant Garnier. On chasse les Vendéens comme des bêtes fauves, et le nombre de ceux qu'on tue équivaut à ceux qu'on fait prisonniers. Dans l'espace de 14 lieues de chemin, il n'est pas une toise où l'on ne trouve un cadavre étendu. En défendant votre drapeau, tâchez de fuir. Sauvez-vous, il fait nuit. Sauvez-vous. Adieu. Adieu!
Ce dernier drapeau du royaume des Lys était une robe de la marquise. Il disparaîtra dans l'Apocalypse, complaisamment décrite par le chef de ses cavaliers, qu'on retrouve à Savenay en ange exterminateur. Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte, sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Le bonheur de Westermann n'est pas celui d'un autre général, Marceau. Quoi, ma chère sœur? Vous m'envoyez des félicitations sur ces deux batailles du Mans et de Savenay, plutôt sur ces deux carnages. Et vous voudriez avoir les feuilles de nos lauriers? Ne songez-vous pas qu'elles sont tachées de sang humain, de sang français? Je vais porter les armes contre l'étranger. Là seulement est la gloire et l'honneur. Je sollicite un poste à la frontière. Les malheurs des Vendéens ne s'arrêtent pas à Savenay. Dès le 3 janvier, voilà les 9 novembre, ce qu'il proposait à ses collègues de la Convention. Vous avez à délivrer le pays d'un chancre qui le dévore. Le poison est plus sûr que toute votre artillerie. Faites empoisonner des sources d'eau. Empoisonner du pain que vous abandonnerez à la voracité de cette misérable armée de brigands. Et laissez faire les faits. Vous avez des espions parmi ces soldats du pape qu'un enfant conduit. Lâchez-les avec ce cadeau. Et la patrie est sauvée. Vous tuez les soldats de La Roche-Jacquelin à coups de baïonnette, tuez-les à coups d'arsenic! Cela est moins dispendieux et plus commode. Pourtant, ces hommes ne rêvent que de progrès et de bonheur du peuple. Il faut régénérer la France de gré ou de force. Dût-on en faire un cimetière? Carrier invente ce qui... La nuit, sans jugement, les victimes sont embarquées, parfois par centaines, sur des gabarres qu'on s'aborde au milieu du fleuve. Près de 5000 personnes ont péri ainsi, à Nantes, par la noyade. Du mal. Sur le terrain, le général en chef Thurau va mettre en œuvre un plan d'extermination qu'il définit dans un ordre du jour à ses troupes. Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises seront passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les femmes, filles et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Tous les villages, métairies, bois, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Tes mesures nous paraissent bonnes. Et tes intentions pures. Extermine les brigands jusqu'au dernier. Voilà ton devoir, lui écrit la Convention. Messieurs, grâce à vous, dans 15 jours, il n'y aura plus en Vendée ni maison, ni vivres, ni habitants. Ah. Elles sont connues dans l'histoire sous le nom de colonnes infernales, que leur ont donné leurs victimes, blancs et bleus confondus. Tout Vendéen est bon à tuer. Tel est l'avis du général Grignon, commandant l'une de ses colonnes. Je sais qu'il peut y avoir quelques patriotes dans ce pays. Qu'importe ! Devant tout, sacrifiez ! Devant tout, sacrifiez !
Chaque soir, les courriers vont porter au général Thureau les rapports de ses brigadiers. Brave Grignon. Vous voyez ce qu'il écrit en bref de la journée d'hier. J'ai brûlé et cassé les têtes comme à l'ordinaire. Et général Crouzat, éclairage et chauffage réunis, je me suis chauffé très amplement ce matin. Et Commère, sans doute pour éprouver le tranchant de son sabre, je coupe les enfants en deux. L'imbécile. Il ne faut pas. Il ne faut pas écrire cela. Jamais. On écrivait beaucoup dans le camp des sans-culottes. Le citoyen Morel fait un rapport dénonçant les errements de la colonne commandée par le général Hamet, dont il est le guide. Hamet fait allumer des fours, et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Les cris de ces misérables ont si fort diverti les soldats qu'ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femelles des royalistes manquant, ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes.